Não é, né? Eu vejo. Ele gosta? Ele gosta. Tirei da sangue. Vous savez, on mange un peu en été. La ville nous ramène à Passy. Vous savez, on se voit une invitation. Une invitation? Oui, une inauguration, une soirée. Ah bon. Ah bon. Très, très prochainement. Je vois beaucoup de morts autour de vous. Des morts? Vous avez beaucoup de personnes âgées dans votre entourage? Non, mes parents sont décédés. J'ai quelques-uns. C'est étonnant, c'était quand même cette fête qui revient continuellement et. C'est la fête des morts alors? Ben non, la fête des morts c'est en novembre, mon cher monsieur. Et alors, l'inauguration, c'est pour dans l'immédiate ou. Oh, c'est dans les jours qui viennent. Là, tout de suite, cet été. C'est assez imminent, oui. Ben, tu sais que c'est là que je risque d'avoir des morts. Cette fête me semble assez morbide quand même. Je vois un tas de. Je vois du sang. Beaucoup, sang. Beaucoup de sang. Ah bon. Écoutez, moi je vois clair dans le jeu et je suis très inquiète. Oh. Décommandez cette fête. Comment décommander? N'y allez pas, si vous recevez l'invitation, n'y allez pas. Pour l'amour du ciel, n'y allez pas. Oh, écoutez, vous n'avez toujours pas dit que du bonheur. Le jeu se brouille, je ne peux rien vous dire de plus. Si vous recevez une invitation, n'y allez pas. Par la grâce du ciel, refusez cette invitation, n'y allez pas. À mal votre vie. Par la grâce du ciel, refusez cette invitation, n'y allez pas. Allons, roule! C'est ça! Tu vas bien? T'es où? Je suis chez moi. Et toi, toujours là, tu es grave? Tout juste. Je suis en train de chatter avec les Sénégalais qui s'appellent ça. Dis! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de chercher des chichons. Un bœuf? Ça prend moins 10 euros, quoi. Ok. D'accord, d'accord. Tu m'en rappelles quand tu arrives? Ah, d'accord. À tout à l'heure. Every little thing you use.
tiens un pour veille. Tu le connaissais, le gazou qui est venu là? Oui. Qui tu es pour me poser des questions? Mais je suis peut-être celui qui va te faire passer une mauvaise soirée, inspecteur Pinacle, de vous. Moi, t'appelles-moi. Tu lui as filé quoi là? Tu lui as filé quoi là? Je t'ai vu que tu as filé quelque chose là. Touché la main, c'est fou. Hein. T'as touché la main? Oh. Bien sûr, il t'a effilé. Bon, écoute-moi, on va aller voir ça ensemble. Hein. Oh, oh, oh. Là, je t'ai parti, hein. On bouge pas de la lycée. Ouais, Raphaël, c'est Pinacle, là. Dis-moi, au moins une patrouille, là, là-bas. Ouais. Ouais, je suis à la jetée, là. Tu sais, là, au pire plat. Allô, vous là, c'est Rossam. Alors, ça y est, j'ai touché. C'est comment? Tu vas à la Kepaille demain? Ma foi. On se retrouve là-bas? La bonne qu'il va y avoir. 15h, mettre en Castellane. On s'en roule, ça va. À demain? À demain. Ciao. Où tu veux, mais français, chinois, marocain, chinois, allez. Chinois, un grand chinois. Ah ben, baguette. C'est beau le chinois. T'appelles chinois. C'est la vie qui t'appelait. Marché. Gucci. Voilà, j'ai passé une mauvaise journée, moi je te rappelle ça. Ah, c'est moi le mastiff. Allez, tu veux que je te serve? Allez. Attends, je vais la prendre. Ah, les verres. Ah oui, il fait chaud, hein. Ça va se rafraîchir un peu, hein. Moi, j'ai eu trop chaud, hein. Voilà. Avec mes blouses de travail et tout. Alors, comment tu es malade?
On a le jour de repos, ouais. Il faut bien les soigner. Combien le jour... Hein? Il faut bien les soigner. Ah ben oui, on peut pas... Allez, la tienne. Allez, la tienne. Après, on va manger. Ah oui. Hein? Je voudrais que je mange le chinois, hein. Oh, Madame Niro. Vous êtes encore de sortie ou vous allez? Ma foi, c'est la nuit. Là, on sort, les hein, chats. Ils sortent la nuit. Non. Allez, on va chérie. Eh oui. Allez. Bonsoir, madame. Vous allez? On va au restaurant. Ouais. On va au restaurant, on va manger chez moi. C'est bien. Vous allez venir avec nous? Non, ça va. Ah. Bon, c'est on repasse, on te dit un petit bonsoir. Hein. Ça va, ça marche. Allez, on y va. Ferme la porte. Non, oui, elle est fermée la porte. T'inquiète pas. Je n'ai jamais fermé la porte. Et en chinois, on se d'amour. C'est Sam. Je savais que vous téléphoneriez. J'ai reçu l'invitation, vous savez. Ah, cette fameuse invitation, vous l'avez reçue. Mon Dieu, je vous en prie, depuis deux jours, je suis dans la tourmente, n'y allez pas. Non, mais c'est pour une soirée normale. Hein. N'y allez pas. J'ai retiré les cartes pour vous, n'y allez surtout pas. Et dites à votre ami d'annuler sa fête, ça va être un carnage, n'y allez pas. Mais je sais pas qui me l'a envoyé. Mais quel carnage. Vous êtes folle. Un lieu public. Non, je ne suis pas folle quand même, je vous dis d'annuler tout. Là. Bon, je verrai plus tard. Bon, très bien. Faites comme il vous plaira. Au revoir. Allez, au revoir.
Ils nous ont dit que justement que tu étais en repos. Tu as vu Bernard à l'accueil? Ouais. Comment t'as su que j'étais là? Enfin, où tu es quand tu travailles pas d'habitude? À la plage. Ça, Sam, ça va? Et là, justement, je voulais te voir parce que je suis emmerdé là. J'ai reçu une invitation. Quelle invitation? Ouais, je suis allé voir une voyante ces jours-ci. Oh, tu crois que tu as compris, toi? Tu n'as pas su de bonnes grosses vides que tu as perdu tout le temps là-bas? Ouais, mais attends, que je t'explique. Ouais. Je suis allé comme ça, mais là, elle m'a inquiété. Mais tu sais qu'elle me dit toujours ce que... Puisqu'elle me dit, ça arrive. Hein. Bah, tu crois pas? Moi, c'est comme si j'allais au psychiatre. Ouais, mais ça fait combien d'années que tu vas là-bas, ça? Oui, mais il y en a qui vont au psychiatre. Moi, je vais voir un voyant. Elle te connaît par cœur. Je comprends le cas. Elle me connaît par cœur, mais elle m'a toujours dit la vérité. Bon, chacun le sent comme il veut. Hein. Bon, et alors? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et alors, elle m'a dit que j'allais recevoir justement une invitation. Ah bon? C'est pas mal, il y avait des méchants, non, une invitation. Mais, pourquoi tu allais la traumatiser par cette invitation? Oui, mais justement, tu sais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il y en a une. Merci. Elle m'a dit que de ne pas y aller. Pour l'invitation? Eh oui. Elle m'a dit de ne pas y aller parce qu'elle voit que beaucoup de sang. Du sang, du sang, du sang. Et du sang, tu vas avoir un accident? Je sais pas moi. Elle m'a dit que j'allais recevoir une invitation. Ouais. Mais je l'ai reçue. Donc elle m'a dit déjà la vérité, puisqu'elle me dit que vous allez être invité. Oh, elle te l'a prédit. Voilà, elle me l'a prédit. Et alors j'ai dit comme toi, mais j'ai dit, ben alors qu'est-ce qu'il y a à l'invitation? Elle me dit, je vois beaucoup de sang, je vois. Elle me dit de ne pas y aller. Ah, c'est pour ça que je suis venu te voir. Cette invitation, en fait, c'est quoi alors? Eh bien, j'ai reçu une invitation pour aller à une pique-nique au bord de l'eau. Ah bon? Et tu sais pas qui te l'a envoyé? J'ai reçu une invitation pour aller à l'abri côtier. C'est à la plage là-bas. Ouais. Vendredi. Ça, non? Ouais. Tu te rappelles rien, vendredi 13? L'année dernière, c'était le vendredi. Bon, c'était que je n'aurais plus me souvenir, ça. On a dit qu'on n'en parlait plus. On en a suffisamment parlé. Oui. Tu trouves qu'on en a beaucoup parlé, toi? Suffisamment. On a fait ce qu'on allait pour plus en parler, justement. Voilà. Comme quand tu reçois un courrier curieux, il faut qu'on parle toujours de ce qui s'est passé l'année passée, ça sort plus, hein. Ouais, mais moi, tu peux pas, Héroïne, ça. Ça me mue, là, cette histoire. C'est juste un an, encore un vendredi, je reçois une invitation mystérieuse, et tu trouves que c'est normal, toi? Il est non, bon c'est... de ne pas parler. Non, mais tu as raison. Maintenant, moi, je veux te dire autre chose. Tu trouves que c'est normal? Tu veux dire que c'est au pire en plate? Qu'est-ce que tu peux dire au pire en plate? Tu vas pas voir ce que tu faisais. Si je faisais, tu le sais ce que je faisais. Si tu m'as vu, tu le sais. Hein? Dis-moi, le... Je suis copain, moi, qui était là-bas, sur Zaï, tu connais? Zaï, ouais. Non, comment ça? Parce que si tu veux le revoir, il faudra peut-être que tu passes par moi, il était là. Pourquoi? Ah, tu l'as arrêté. Tu as connu que je l'arrêtais. Voilà. Tu vois le petit peu plus sur moi, parce que c'était quelqu'un d'autre. T'as marqué toi aussi. Ouais, mais moi, comment je. Je suis pas eu entre la neige hier. Allez, c'était pour Romain. Pour Romain qui nourrit tous les petits lycéens. Petit lycéen, t'as vu un peu les. Et ça commence toujours par les pauvres mecs, de toute façon, ça, tu le sais. Ouais, d'accord. Mais les pauvres mecs, ils sont pas ravitaillés par n'importe qui. Je suis pas un lycéen, moi. Et ce qui m'inquiète et ce qui m'intéresse, c'est de remonter jusqu'où ça monte. Ouais, d'accord. Et de toute façon, tu m'as dit que tu arrêtais le prendre ces conneries là. Ouais, ça va, allez. Tu fais comme tu veux, vendredi. Hein. Ouais. Moi, voilà. Toujours pareil, toujours la morale, comme si j'avais besoin. Hein. Ça, mais on n'est pas dans le même camp, je suis obligé de te parler comme je te parle. Ouais, d'accord.
Sam! Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux monter? T'es pressé? Oui, mais bon, le gars. D'accord. J'arrive. Allez, arrive. Là, je suis content de sortir. Hein. Je suis content de te voir. Merci, mais. Mais quoi? Je suis pas vraiment en forme. Ah bon? Je dirais pas. C'est pas bon, mais merci. Tu vois pas, j'ai pas un regard un peu. Non. Qu'est-ce qu'il y a même? Quel problème? Je sais pas trop si je peux te le dire vraiment. Quel souci? Oui. Ne me dis pas. C'est toujours là. Qui pétard? Ouais, oui. Il est bien discret aujourd'hui. Peut-être que tu l'intimides. Il faut ce qu'on dit. Ah. Oui, alors je vais te demander quel service. Ah. T'as pas d'argent ou? Non. Non, je te connais pas d'argent. Il y aura toujours la carte ancienne. Marie d'amour, toujours la même. Mais oui, toujours la même, c'est la rue Sainte. Hein. Et elle est toujours effective, toujours efficace. Oui, moi je suis allé à la consulter, enfin, elle m'a mis en garde, elle m'a dit que j'allais recevoir une invitation de ne pas y aller. Et je sais que c'est vous, je sais pas dans quelle mesure. Et toi, c'est pourquoi tu as des soucis? Ben, oui, enfin bon, il n'y a rien à voir avec l'invitation, rien d'anonyme, mais bon, c'est quelque chose de. C'est très. Personnel. Ouais, voilà. Ça va avoir. Tu as toujours les coordonnées? Oui, c'est un horaire. Ouais. Plus vite, ça va mieux. Donc, parce que c'est très angoissant. Et à part ça, tu repars calme? Dès que je l'aurai. Ben, si je la vois, et si c'est ce qu'elle me dit. Je veux dire, quand même, quelque chose que tu. Ouais. C'est sérieux, alors? C'est sérieux. Je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est. Non, mais ça va. Hein. Il y a de ma pudeur. Tu fais quand même, tu me diras si elle était bonne ou quoi. Si, non, bien sûr. Si tout se finit bien, je te dirai. Ça. Tu as pas encore le questionnaire, non? Non, pas encore. Alors, tu as passé une bonne journée? Ça va, pas mal. Et toi? Bon, comme d'habitude. Fatigué? Ouais. Dis-moi, j'avais rangé le chargeur, tu l'as pas retrouvé par hasard? Ah, je l'ai touché. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu as foutu aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. Non? Qu'est-ce que je voulais te dire? Moi aussi, il y a Sam qui a téléphoné. Oui. Il demande si tu as reçu l'invitation. Quelle invitation? Ah, je ne sais pas. Mais il devait complètement parano, lui. Il t'a branché à toi sur l'invitation. Voilà, oui. Je ne crois pas, ça. Tu vois, alors? Tu n'es pas au courant? Mais ça va, je ne te regarde pas, de toute façon. Je ne suis pas de quoi, je ne sais pas ce qu'il dit. À quelle heure il a téléphoné? Il a fait un temps de moi, je vais l'appeler. Quelle heure c'était, Claudine? À peu près 4h, 4h15. Ouais, Sam! Comment tu vas, c'est l'heure, ça? Dis-moi, tu téléphonais chez Kelly, ça revient? Ouais. Mais non, mais je suis pas encore entré à la maison. Ça y est, je vois, mais ça la concerne pas, de quoi tu lui parles, là? Elle est jalouse comme une. Je te raconte pas. Et ouais, invitation. Tu parles d'invitation, je crois que c'est une invitation pour un mariage. T'as pas chemin. C'est bon, tu n'as pas besoin de l'appeler. Ouais, bon écoute, de toute façon, demain, on se verra au bar. Tu vas au bar demain? Ça va, je passerai te voir. Ciao. Bye. Je te fais un gros bisou, mais je te le fais pas. Je vois pas pourquoi tu parles de mariage, de jalousie, d'un tas de trucs comme ça, parce que moi, finalement, je l'ai reçu, mon invitation. Oui, oui. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est, ces embrouilles? Je l'ai reçu, mon invitation. C'est pour ça que je me suis permis de te parler. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Il n'y a pas d'adresse, c'est rien, tu l'as trouvé comme comment? Comme ça. La boîte là, c'est comme la ça. La boîte là, oui. Sur les body room. Rendez-vous pour une pique-nique surprise, ce vendredi 13 à partir de 19h. Et c'est bien abondant, hein? Ouais. Enfin, je commence à employer.
Bon, écoute, moi, je suis pas venu pour lire les invitations, moi, hein, bah, peut-être passer sur les oreilles, non? Je t'ai pas manqué aujourd'hui? Tu vas me dire de quoi tu vas me dire qui tu es. Mais tu le sauras jamais. Non, non.